Comment créer de la valeur dans le domaine manufacturier? On reçoit l'entrepreneur et président de l'entreprise Rampart pour en parler. Robert Michaud est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à Garde-le-Change. Je suis accompagné de mon co-animateur Samuel Nadeau en forme. yes, toi? Ben oui, pareillement. Robert Michaud également, merci d'être là. Merci, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc là, Robert, euh, pour commencer, il faut comprendre qu'avant tu étais banquier et là tu es rendu avec une entreprise qui s'appelle Art, donc une entreprise de, de garde-corps. Euh, on a besoin d'expliquer c'est quoi un garde-corps peut-être? Vu que tu ne le savais pas, euh, ouais, il y a pas ben, très longtemps. Ben, vas Robert, vas-y, je, je te laisse expliquer. Bon, En fait, euh, les garde-corps, ce n'est <laughs> pas les garde-corps comme dans Bodyguard. Non, c'est ah, ça. ça. Mais euh, non, c'est simplement euh, nous on fabrique, on, on conçoit. Euh, le design et la fabrication euh, et la, la distribution et l'installation de garde-corps pour des gratte-ciels. Ah. Euh, tu sais, quand tu es sur un balcon, mm -hmm. tu ne veux pas tomber en bas de ton balcon? Non, euh, ça... ben, la, oui. la, la barrière, la... au Québec, on dit chez des rampes. Mais dans la vraie vie, c'est des garde-corps euh, qu'on fabrique en verre, en aluminium pour l'industrie des gratte-ciels dans oui. l'Est du Canada. D'où le nom, rampe or. Hein, c'est très hein? original. Pourquoi est-ce que tu as décidé euh, d'aller dans le domaine manufacturier? Mon grand-père était un constructeur euh, autodidacte, architecte aussi. Donc j'étais été associé au monde de la construction dès mon jeune enfance. Euh, le domaine manufacturier pour moi est un domaine où on peut créer des choses, où mon sens aussi de création euh, rentre en jeu. Je peux voir qu'est-ce qu'on fabrique. C'est pas comme dans le domaine du service. Donc, oui, il y a des services à travers le domaine manufacturier, mais on est capable de se lever la tête et de dire qu'on mmh. a participé à l'essor ou à avoir un impact dans l'environnement où on, a, on exerce nos contrats. Tu es parti de où puis à quel moment? Là, parce que je le mentionnais tantôt, es, bon, à la base, tu étais banquier et tu as décidé de quitter ce domaine-là. Mmh. Tu as eu une entreprise avant rempart. Mmh. Je veux t'entendre sur ce sujet-là. Ben, en fait, euh, après quand même plusieurs années euh, comme dans le domaine bancaire, une, une, une institution qui m'a formé. Elle m'a donné une formation pendant plus de dix ans en continu. Une formation académique, une formation, par exemple, des gestions des ressources humaines et tout ça. Donc, ça, c'était à la base là, vraiment une école extraordinaire pour pouvoir se lancer en affaires. La donc, euh, j'ai sauté l'autre bord du bureau, on va dire ça comme ça, ou du comptoir. <laughs> euh, et puis, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, ben, je vais faire le fou pour moi maintenant. <laughs> C'est bon. Ma première opportunité, dans la porte et la fenêtre okay. euh, euh, haut de gamme, une entreprise, une petite, petite entreprise qui, qui, qui avait un peu de difficultés au niveau organisationnel, développement. Tu l'as acheté ou tu l'as fondée? Je l'ai acheté. OK. Elle existait déjà? Elle existait déjà. Okay. Mais elle existait déjà sur un nom, disons, qui n'était pas nécessairement populaire. Donc, okay. changé qui était moins le nom. vendeur. Exact. Okay. J'ai changé le nom. Et puis, euh, ce nom-là a fait du chemin de manière extraordinaire euh, au-delà euh, du Québec. Ah ouais. Oui. Mais c'était quoi la première opportunité que tu as saisie dans cette entreprise-là? Quoi, ça a été quoi ta vision pour l'amener au niveau où tu voulais? Mmh. Ben, en fait, c'est une industrie de porte et fenêtre Donc euh, déjà, c'est un secteur qui était extrêmement compétitif et il y avait une demande importante. Lorsqu'on regarde les, 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 les sondages ou les, 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 les études mmh. euh, des consommateurs, euh, la première chose qu'on fait lorsqu'on ajoute une maison, en général, au cours des 20 dernières années, les top 2-3, c'est toujours soit les portes, les euh, fenêtres ou les cuisines, salle de bain, ça a toujours été pas mal ça lorsque quelqu'un achète une maison. Donc, c'est un secteur très, très porteur. Donc, Sans ce faire qui de mauvais jeu de mots. C'est ça <laughs> qui m'intéressait. <laughs> <C 'est bon. rire> tu sais. okay. euh, après ça, euh, évidemment, je voulais avoir quelque chose qui se démarque. Euh, de la compétition. Puis comment tu l'as accompli ça? Qu'est-ce qu que tu as identifié ben, dans je... cette business-là qui t'a dit ça, ça va être mon élément diffé mmh. différenciateur? Exactement. chercher ouais. un ouais. élément de différenciateur. Différenciateur. <de> <laughs> <dans les rôles. rire> ouais. C'est ça, avec une très grande différence. Et puis, euh, c est, c est, ça a été, euh, ça a été le, le, la qualité de la matière première qui était plus une qualité européenne. Okay. Dans trouvais... le PVC, ça? Dans le PVC, oui. Okay. Euh, PVC, ça a été inventé <laughs> en Europe. Donc, c'était déjà euh, à l'époque. On parle déjà de plus déjà d'une vingtaine d'années, 20-25 ans. David, t'es pas né? Non, mm. c'est ça. Non, moi, je suis euh, le bébé des années 2000. Donc, je voyais, ouais, je... Je voyais vraiment une guerre actuellement là, au Québec. Euh, sur. Il y avait 400 manufacturiers de portes et fenêtres au Québec. Déjà dans ce temps-là, il y a 20-25 oui. ans? Oui. Okay. 400. Hey, manufacturier, donc, euh, oui, c'était énorme. Oui, c'était énorme. Évidemment, les plus petits et les, 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 les très grands. Euh, nous, on était petits, très, très petits. Okay. Euh, donc, on se disait, il y a de la place pour euh, avoir notre petite portion de tarte ouais. à nous. Mm -hmm. Et euh, donc, je trouvais ça excitant, un secteur compétitif. Et pour moi, euh, la compétition ne se faisait pas en, en, en vendant le prix le moins cher pour moi c'était euh, no ending story ou une histoire sans fin ouais. le, euh, travailler le prix le plus bas pour moi c'est toujours une histoire sans fin il va toujours avoir un prix plus bas ouais. tu, voulais, on... tu voulais avoir un produit qui était plus de qualité ouais. okay. puis on entend souvent un client qui rentre par le prix sort par le prix exact Fait que j'imagine que c'est ça tu ne voulais pas ça non okay. je voulais être situé dans une strate de prix qui était une strate de prix pas non plus euh, extravagante au niveau des ouais. prix mais Juste un petit peu au-dessus du marché. Un 15, capable... pour, un 15 de à plus, près. mais qui était 50 meilleur. Exactement. Oui, et okay. Peut-être okay. même plus que 50 On aurait été s'associer as là-dedans, <laughs> ça serait bien Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as réussi à créer de la valeur euh, à partir de cette compagnie-là? Oui. Beaucoup Comment tu as fait, je vais entendre ça? Ouais, moi en aussi. Fait, L'une des premières choses a été l'entreprise existait déjà depuis cinq ans oui. sous un autre nom, mais elle ne faisait pas de sous. Ça allait pas bien. Elle. Ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. C'était une compagnie qu'on peut dire qui était prête à déposer le bilan. Toi, quand tu l'as acheté, tu t'es dit je veux la remettre sur pied. J'ai de la vision. Je veux faire en sorte de faire elle de l'argent avec créer la valeur avec. Exactement. Okay. Après un an, on faisait un an, un an et demi, on faisait déjà de l'argent. On a tout le temps fait de l'argent après ça. En fait, l'argent, c'est relatif mais disons qu'on avait une belle croissance qui nous amenait vraiment déjà avec suffisamment de revenus qui nous restaient pour pouvoir gérer notre croissance et de continuer à, à innover. Mm -hmm. euh, mais je recule un oui. petit peu, Robert. Oui. De ce que j'ai compris, c'est que bon dans le temps, euh, le PVC commençait, mm -hmm. les compétiteurs utilisaient le bois, l'acier, puis un peu le PVC. Oui. Toi, tu t'es dit, je vais importer... Euh, ben dans le fond, la compagnie faisait affaire avec une compagnie en Europe qui avait, auquel il y avait directement un PVC de meilleure qualité que les autres au Québec. Les extrusions étaient déjà toutes des, des formes beaucoup plus grosses, beaucoup plus okay. solides, plus beaucoup robuste. plus costauds. Okay. Puis ça faisait en sorte que la guerre du PVC au Québec était prise avec des éléments beaucoup plus petits, beaucoup okay. plus okay. faibles, beaucoup plus, plus mince peu, là, dit, Puis là. moi, ben, j'ai vu une opportunité, tu comprends, de... Ouais. Euh, tu as vu les... le produit, tu te dis que ta c'est un produit qui m'a l'air meilleur que les autres. Puis, à cause de leur approvisionnement en Europe d'un matériel de meilleure qualité, tu t'es dit, Bien, ça, ça va être mon cheval de bataille. Euh, je vais être un petit peu plus cher les, que les mmh. autres, mais je vais être meilleur que les autres. Puis, tu as capitalisé là-dessus. Exact. Ça, je comprends. Oui. Et j'ai toujours, toujours continué à innover aussi dans le produit pour, pour en écoutant le marché, c'est-à-dire la force de vente, pour pouvoir aussi euh, adapter nos produits, pour que, le mettre dans les mains des produits qui vont avoir de la facilité à vendre. Oui. Donc, euh, voilà. Et Mais comment tu as fait pour partir d'une business qui ne faisait pas de sous, ouais. puis l'amener à une business qui fait des sous, puis mm -hmm. comme organiser toute la patente? Oui. Parce qu'il faut qu soit qu un méchant chef d'orchestre ben, pour en faire fait, ça. Il n'y a pas d'orchestre, puis il n'y a même pas d'instrument. Tu sais, quand okay. tu commences, <laughs> là, tu fais tout. OK. Fait qu'au début, on était trois personnes. Oh, Vous étiez ouais. trois actionnaires? Non, trois personnes. Dans l'entreprise. Ah, OK, <laughs> trois personnes. Ah, ouais, dans ouais, l'entreprise. Ouais, ouais. Seulement que trois personnes. Donc, tu fais tout. Okay. Quand tu dis… On... tu as assemblé des fenêtres. Oui, ah, oui. j'ai fait <laughs> des achats, j'ai fait les ventes, j'ai créé les listes de prix, j'ai fait, fait, fait des études, des études d'analyse de prix de revient, par exemple. Toutes ces choses-là étaient vraiment importantes pour moi et euh, j ai, j ai, je tenais aussi à savoir ce que les gens vont faire pour nous plus tard, c'est-à-dire d'occuper les postes au début, là, de, de, de développer une certaine forme de compétence pour pouvoir, après ça, mieux savoir qu ce que j'avais à faire, faire. Okay. Donc, c'était ça au début. Okay. Puis c'est comme ça que j'ai pu créer de la valeur, c'est-à-dire aussi en bien organisant, en structurant l'entreprise euh, d'une manière organisationnelle. Qui fait quoi? Euh, et puis euh, de mettre des objectifs là-dedans euh, et puis de stimuler ton entreprise. Mais ton entreprise, la stimuler comment pour créer de la valeur? C'est souvent sous forme de jeu. Hein? une game. Hmm. Il faut qu'on s'amuse là-dedans. C'est pas sorti puis... de Scrabble? Ou euh... ouais. <laughs> non, non, c'est pas, euh, pas un jeu de Scrabble, mais okay. disons que j'aime ça que le travail soit plus sous une forme de jeu okay. que euh, de devoir okay. collectif. Fait que t'as fait triper les gens autour exactement, de toi, dans le fond. Exactement. Okay. En mettant de la game. Okay. Quand, là, j'ai le mot game, vous comprenez que c'est mm -hmm. le jeu que je veux ah, ouais. dire, que, qui est un jeu que, quand on vient travailler, on, on a une certaine forme de règles comme un jeu. Et puis euh, quand tu établis un peu de règles comme ça, mais ben ça, ça met des bases d'établissement solides pour pouvoir générer de la croissance. Okay. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Tu l'as vendu quoi dix ans plus tard Oui. Pour quelle raison En fait sans je être indiscret, là. je l'ai vendu parce que c'est aussi simple qu'un appel un vendredi après-midi d'un avocat qui me dit euh, j'ai un investisseur qui serait prêt à vous acheter. Mm. C'est fait comme ça. Ah, Puis ouais. là, à partir de ces apprentissages-là que tu as fait lorsque tu as comme remis la, cette entreprise-là sur la traque, mm -hmm. sur la, ouais. <laughs> la piste, ouais. euh, tu as créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Rempart. Ouais. Euh, de quelle façon ça t'a aidé à justement partir avec des bonnes bases? Mm. Ben, ton expérience que tu avais chez Fenêtre Météo, ouais. comment tu ouais. l'as transmise chez Rempart? Rampart était une entreprise mature de 22-23 ans à l'époque. OK, elle existait déjà. C'est quand tu, ouais, okay. okay, tu l'as achetée. Je l'ai achetée, okay. elle était déjà, euh, déjà existante, mais elle était, comme on dit souvent dans le jargon, elle était euh, euh, à un certain niveau… Au neutre ou était sur son, on dit souvent, un, un, zone de confort. un sweet spot, une zone okay. de confort, okay. effectivement, et euh, euh, avait de la misère à générer de la croissance. Passer au prochain de pa niveau. De passer au prochain niveau. Okay. Donc, euh, le, le propriétaire avait décidé de vendre parce qu'il sentait que lui, était, il y avait de la misère à, à pouvoir passer au prochain niveau. Okay. ne C'était ouais. pas qu'il était la bonne personne pour ramener ouais. ça au exact, prochain niveau. Mais Par contre, cette personne-là est une personne extraordinaire puis qui est très très compétente dans son domaine puis il est resté avec nous. OK. pour ah, okay. utiliser son son grand savoir, son grand savoir. Puis puis nous ben on a, avec euh, euh, son grand savoir, ben, on a tout simplement mis autour de lui des très bons collaborateurs. OK. Puis comment tu as créé de la valeur chez Rempart? Comment tu as fait pour dire, OK, j'amène cette entreprise-là à un nouveau niveau? Euh, il a fallu, euh, par contre, euh, commencer par étudier un peu quels étaient les secteurs d'activité. Puis il y avait deux secteurs d'activité. On avait le secteur du consommateur, c'est-à-dire on faisait des ventes en, en, aux consommateurs, donc ouvert euh, le jeudi soir, le vendredi soir, le mmh. samedi pour euh, rencontrer du monde, euh, pour leur démontrer que euh, les besoins ou les différents services qui pouvaient être offerts chez nous. Et ensuite, on faisait aussi le commercial multi logement multilogement, avec des 200-300 portes ou 300 balcons. Okay. On faisait ça aussi. Donc, on avait un, un, un ratio d'à peu près 15 consommateurs puis 85 euh, commercial, ouais. résidentiel. Donc, pour moi, ça, ça a été quelque chose où je me suis dit, pour créer de la valeur, je pourrais pas être bon dans les deux. Ah ouais. C'est deux marchés complètement différents. Donc, euh, je me suis... J'ai vendu la, la division consommateur pour focuser uniquement sur le gratte et ça l'a créé énormément de valeur dans l'organisation puisque notre focus était uniquement là-dessus et puis ben, le chiffre d'affaires a, a oh, pris son envol d'une manière incroyable puisque, puis, puisque, que... puisque un dossier commercial équivalait à mon 15%. Oui, ouais, et ça c'était pas mal plus choqué. payant. Pour 500 clients. Et... Et... Un, un client, mettons, de, de gratte ciel équivalait à 500 clients consommateurs. Alors, mais tu as voulu aller un peu comme des fois on entend dans les games de volume, mais ouais. volume avec marge. Volume avec marge. Volume de spécialité. Volume hyper spécialisé. Hyper spécialisé. 100 okay. tout sur mesure. Ouais. Euh, très, très complexe avec un savoir-faire <laughs> qui n'est pas, pas facilement… Euh, euh, copiable. Copiable. Okay. Puisque tu ne peux pas battre le temps là-dedans. Il okay. y a beaucoup, beaucoup de pièges. Comme quoi? Ouais. ben il y vent. en a plusieurs. Oui, <laughs> ouais, par le exemple, vent. le vent. Ouais. Le... Quand je parle de pièges, je parle de pièges en fonction de le, la conception du gratte-ciel. Tu reçois des plans, puis admettons... Tu reçois des plans, tu regardes les plans, tu fais ta soumission, et là-dedans, là, souvent, ouais. il y a des pièges. Mm. Okay. Donc, tu ne peux pas battre le temps. Tu dois développer une expertise extrêmement grande de lecture de plans, de lecture de besoins, et de stratégie aussi okay. hein, de, 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 de distribution. Comme par exemple, ça va te prendre des grues? Ouais, c'est ça. Donc là, il y a ah, des coûts supplémentaires. Donc, euh, si tu les prévois pas bien déjà au départ, il faut. C'est ce type de piège-là que je parle. OK, parce que j'imagine que quand tu tombes dans un piège dans ce domaine-là, ça doit coûter extrêmement cher exact. de se réadapter mmh, et finir la, le travail. Hein? Exact. Me trompe-tu? Oui, exact. Et ça prend beaucoup, beaucoup de capitaux pour pouvoir aussi supporter l'industrie. Ah ouais, parce que c'est des grosses commandes, c'est des grosses quantités puis euh, Exact. Admettons que c'est 1000 pièces le garde-corps puis tu en as 500, c'est 500 000. <rire> Exact. exact. <rire> OK, je comprends c'est une game où ça prend beaucoup d'argent. Exact. Okay. Est-ce que tu dirais que dans le domaine où tu <coughs> la, vulnéra la vulnérabilité de ton équipe hum. c'est ben, en fait ton, ton équipe c'est hyper important. Hum. C'est tout gravite autour de ça, est-ce que je me trompe Ben oui. On, on, ben, on oui, ben oui, mal. je me trompe. C'est pas ça en <laughs> tout. Ben oui, ben oui, tu te trompes pas. Mais 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 mes choses certaines, c'est je veux pas utiliser un terme en anglais, mais on dit souvent it's all about people. C'est c'est les gens en premier chez nous. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, l'équipe euh, euh, nous 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 amène une certaine forme de vulnérabilité. C'est vrai. Mm -hmm. euh, surtout en, 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 en croissance. Donc euh, il faut vraiment que tu sois capable aussi D'acquérir, de, de, de construire, puis d'établir une équipe qui va bien fonctionner ensemble, un peu comme des équipes de hockey. Mmh. De Parce qu'il y a aussi une game, je pense, de gestion du savoir là-dedans. Mmh. Parce que quand tu te bâtis une équipe qui est propre à toi, qui est bien modelée, mmh. qui est compétente, ben, ces gens-là ont un certain capital savoir. Oui. Fait, quand ils partent, c'est ouais. toujours un morceau de puzzle mal. qui ouais. fait mal. Oui, oui. Une certaine... Comment tu gères ça, la gestion du savoir bon, chez La gestion du savoir, euh, au point de vue organisationnel, ce qui est très important, c'est de documenter. Procédurer. Oui et de documenter aussi. Tout documenter. Tout, tout si tu peux le faire. Évidemment, à un certain niveau quand tu commences, c'est plus difficile, mais il faut que tu documentes au moins de façon sommaire. Qui mm -hmm. fait quoi C'est qui es, c'est quoi les postes que tu as à créer à l'intérieur de ton mm -hmm. organisation pour, pour gérer le futur. Euh, qui, qui 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 doit être quelles compétences que ça prend pour pouvoir occuper ce poste-là Donc ça c'est ça que je parle d'établir. OK, intéressant. Une fois que tu as établi, tu comprends les fonctions euh, et euh, qui s'apprend pour pouvoir faire ces fonctions-là, ben, tu peux t'attaquer à, à combler le poste. Ouais. Ouais. Donc, établir de cette manière-là. Euh, et euh, évidemment, après ça, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est la mesure ou euh, euh, du moins euh, les objectifs à mettre en place pour pouvoir voir si on progresse. Tout ce qui se mesure s'améliore. Ben, comme ben, dit la phrase. Exactement. Mm. Si tu ne mesures pas, tu ne gères pas. Ouais. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que... Ben, souvent on va entendre que Ah bon, j'ai besoin de tel poste, tel poste, mais toi, tu y vas un peu par l'inverse, mm. dire OK, ce qu'est-ce qu'on a, selon la procédure qu'on a mise en place, qu'est-ce qui manque dans l'équation pour, ouais. mettons, mm -hmm. finaliser ou faire le produit? Fait que, mm. tu y vas un peu à l'inverse, mm. puis tu y vas avec tes besoins pour créer mm. un poste okay. et non seulement dire Ah oh, ben ça me prend une personne de plus. Fait que ouais. l'organisation mène à ce que n'engages pas des fois des gens pour rien ou tu, tu crées pas si tu, tu brasses pas de l'air comme on dit exact mais j'utilise souvent la formule de trois verbes trois verbes être faire avoir mm. trois verbes de base très simple être faire avoir donc si tu veux avoir quelque chose qu'est-ce qu'il faut faire puis qu'est-ce qu'il faut être Hum, très sage. sage. <laughs> hey, ton équipe, ça, ça, c'est hyper important. Là, ça paraît, tu nous as dit que c'était comme la base de tout ça. Euh, tu as parlé avant le podcast, là, je veux pas mettre des, des mots dans ta bouche, mais tu as parlé de, des fournisseurs, ouais. de tes clients. Euh, c'est hyper important, ça aussi. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? Ben pour moi, j'ai des, des phrases que je dis souvent là, euh, à mon équipe, puis euh, c'est une phrase qui, qui me suit c'est qu'on ne sera jamais meilleur que nos fournisseurs. Tu ne seras jamais meilleur que ton fournisseur. Fait que si tu n'as pas un bon fournisseur, si ton fournisseur ne te colle pas, colle pas avec tes valeurs, ton fournisseur ne respecte pas ses dates de, 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 de livraison, euh, il t'envoie des, des matériaux qui ne sont pas des matériaux de, de, de bonne qualité. Mais ben toi, du coup, tu ne seras pas meilleur avec ton client. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. On ne sera jamais meilleur que nos fournisseurs. Et un autre aspect qui était important aussi dans la chaîne, c'est que nous, on est des fournisseurs aussi. Ouais, oui, un contracteur okay. général oh, ouais. Ouais. pour construire un gratte-ciel, une partie ouais. du gratte-ciel avant de le livrer à son client. Okay. Alors, nous aussi, on se doit d'être meilleur si notre client va être le meilleur. Donc, euh... est-ce que je me trompe si je dis le fournisseur, si à la base il n'est pas fiable, mm. ça ne pourra jamais fonctionner au bout de la ligne, Exactement. tu ne pourras jamais acquérir de la valeur mm. avec ton entreprise. Exactement, parce que tu ne seras pas capable de revendre. Vendre, il n'y a rien là, mm. mais c'est revendre mm. qui est important, ouais. donc tu n'as pas, 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 pas deux chances. Parce qu'avec des fournisseurs, euh, faut, faut -tu, dans ce cas-là, faut-tu être impitoyable avec eux? n'est pas le bon ouais, mot euh, non je te dirais que <coughs> le plus important je suis trop, euh, pour <rire> cruel <rire> non le plus important ouais. je te dirais c'est de créer des belles connexions avec ton fournisseur puis que ce qu'on fait aussi euh, anime le fournisseur puis évidemment euh, euh, tu vas aller visiter ou qualifier ton fournisseur ça, c'est important. Que ça veut dire qualifier? Le qualifier, ça veut dire que tu vas aller le voir vraiment là, dans, dans la vraie vie. Soit dans son usine, soit chez eux. Tu vas eux. voir un peu comment ça se passe. Puis tu peux voir un ouais. peu l'état de, de, de son équipe. Euh, tu peux voir un peu là, genre, à José avec lui, mais tu peux ressentir des choses. Comment il gère sa business. Ça. Exact. Ressentir bon, sa on business. parle de qualifier, n'hésitez jamais d'aller voir ouais. vos fournisseurs. C'est important. Ça, c'est comme. Euh, écoute, moi, j'ai un petit jeu que je fais. Des fois, quand je reçois des corps de métier chez nous pour soit de la rénovation, peu importe, là, je regarde dans le pick-up. <laughs> ah, t'es Samuel non, 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 mais, <laughs> ben, quand il y a 7-8 sacs de McDo entassés dans, ouais. le, poste, dans ouais. le côté passager, là, ouais. je ne sais pas, mais moi, ça me dit de quoi. Ouais. Ça m'envoie un message pas Ben non, mais je ne veux pas me lancer là-dedans. Là, mais ouais. ça m'en dit long. Ouais. Souvent, ça ouais, se reflète ouais. sur la ouais, job. Je versus, j'ai un entrepreneur avec qui je travaille mm -hmm. depuis longtemps. Écoute, j'ai regardé dans le pick-up de ces gars, c'est qualité showroom c'est capoté puis sont toutes de même puis on dirait mmh. que ces gens-là attirent ces gens-là puis j'ai l'impression que des fois tu vas visiter un fournisseur puis le leader il est d'une telle manière il est droit il est organisé. Ouais. Euh, son, ses chemins sont bien repassés puis on dirait que toute son équipe est pareille comme lui mmh. ça je trouve que ça rayonne ben oui. ça. Ouais, ça, ben ça je trouve ça. Okay. Puis pas le choix pas le choix d'aller le voir pour le comprendre puis pour Exactement. le voir hein. Robert Michaud, euh, aussi, je veux qu'on parle du prix de revient. Euh, ouais. Ce qui te revient après la vente, il ouais. ne faut, faut pas le négliger parce que, quand même, s'il n'y a pas de, 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 de revenus, ben, ça ne fonctionnera pas au bout de la ligne. Toi, comment tu vois ça? Ben, en fait, chez nous, il n'y a aucun dossier qu'on présente à un client s'il n'y a pas son prix de revient de fait. 100 de nos dossiers sont étudiés de A à Z avant de déposer un prix. Donc, on part, ne on part pas chez nous avec une liste de prix, par exemple. OK. T'sais? Donc, déjà là, ça nous met un peu plus en contrôle sur l'établissement des prix. Parce qu'il n'y a pas un pareil. Donc, c'est un peu plus complexe. Mm -hmm. Si on y va avec une liste de prix, on peut se tromper. Ah, oui. Donc, on étudie l'ensemble de nos contrats de construction individuellement, un par un. Donc, ça, ça l'a aidé à créer de la valeur. Évidemment, lorsqu'on a regardé les résultats après, puis qu'on étudiait la valeur de qu'on avait estimé par rapport à la valeur réelle qui mmh. reste. S'il y avait des écarts, on essaie de trouver d'où viennent ces écarts-là pour les améliorer. Et évidemment, ça peut aussi qu'on n'a pas vendu assez cher par rapport aussi euh, mmh, au, ouais. au, au, au marché. Ouais, mais ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que combien de personnes gèrent et vendent avec des listes de prix? Puis au final, c'est pas non, mais je vous quand pas. tu vends un verre d'eau puis tu le payes une pièce, tu le vends deux pièces, c'est une chose, mais quand tu fais du sur mesure, puis tu sais, c'est toutes des affaires qui sont calculées, comptées, euh, c'est beaucoup plus important selon moi de ne pas perdre de l'argent que d'espérer en faire plus. Mm -hmm. Je me trompe, tu bien, bien sûr, encore une fois, je me suis trompé. C'est toujours, <laughs> c'est toujours... <laughs> toujours extrêmement important de pouvoir contrôler. Ouais. Euh... Tu pars d'une estimation de coût après ça tu réalises mais il faut voir l'écart entre les deux à la fin pour ouais, voir, voir si avant de donner le prix final au client ben, en fait là je t'ai rendu à la fin là une fois que tu as réalisé le contrat tu dois étudier si avec ton prix de revient c'est quoi l'écart ils sont où ces écarts là donc ça nous a permis de se de, en faisant ça ça nous a permis tu comprends de mettre le doigt au bons endroits pour pouvoir s'ajuster OK, T'es-tu hmm. rendu compte que tu avais des fuites dans différents oh, postes oui, où l'argent oui, oui. fuyait? Oh, oui, tout à fait. Ah, euh, oui? Par exemple, mais, pas, 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 pas fuir, mais disons qu'on n'en mettait pas assez okay. pour ce qu'on livrait. Comme mettons, le service après-vente. Euh, oui, le service après-vente, ou on, on va dire peut-être plutôt le, 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 le service de prêt. Euh, fabrication où on doit faire de l'idéation, les ah, dessins d'atelier, okay. le, 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 mm. souvent même du build-design ouais. ou du de, de, de design-build design euh, design hein. de construction ouais. pour, 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 pour l'architecte ou pour le client parce qu'il n'y avait pas pensé à telle, telle étape. Et là, c'est là qu'on embarque, nous, euh, euh, mm. puis qu'on donne beaucoup, beaucoup de services d'idéation, mais là, on fait tout ça gratuitement. Donc là, aujourd'hui, on est pour plus... oui Parce que tu es spécialisé, tu vends ton expertise. Exact. Donc, augmentation des profits. Augmentation Par conséquence. des conséquences. Profits. Ces profits-là, pour moi, c'est uniquement un moyen de pouvoir poursuivre nos rêves, de pouvoir continuer à investir dans l'entreprise en étant euh, capable de le faire. Mmh. Sans endetter. C'est du gaz le dans l'auto. Okay. Ouais, C'était vraiment intéressant. Robert Michaud, entrepreneur, président de Rampart. Merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances. Ça a été un plaisir. Merci à toi aussi, Samuel Nadeau. Et j'espère à la maison que vous avez apprécié cet épisode. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde-le-Change. Ciao!